je m'appelle Mathieu Macuche, j'ai 23 ans et c'est mon premier chantier en tant que tapageur. Je suis Aurélien Doranet, donc je suis infirmier au XAPA Le Triangle depuis mars 2020. Alors moi c'est Pierre Dupont, on m'appelle Pierrot. Mais ouais, ça fait 2 ans que je suis à tapage. Antoine Ruel, je suis travailleur social au Carré de la Côté. Je m'appelle Laure-Hélène Reguessé et je suis en service civique chez Bénénova Nantes. Principalement, à la base, c'était parce que j'avais besoin d'argent. C'était pour acheter ma cam. Et après, par envie, besoin de faire quelque chose. Les personnes à la rue ou les personnes dans les consommations ont peu de perspectives, ont du mal à imaginer l'avenir autrement que sous le prisme des consommations, de la rue, de tout ce qui va avec la violence. Bah pour reprendre un rythme, parce que comparé à un CDI ou un CDD, c'est des petites missions d'une demi-journée ou 2-3 jours. Donc on va dire que voilà, c'est plus simple. Et ils ont cette capacité à réapprendre à se projeter beaucoup plus rapidement et c'est super chouette. Ça m'a quand même redonné de l'espoir pour m'en sortir et puis ouais. Enfin ouais. Ce qui m'a motivé, c'est les entretiens côte à côte qu'on peut avoir avec les jeunes. On n'est plus derrière un bureau. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, et des paroles qui sont libérées. Et ça te permet d'être égal à égal. Il y a une vraie logique là-dedans, sur les jeunes, sur d'éviter l'ancrage dans l'errance, l'ancrage dans les consommations et proposer des perspectives. J'ai réussi à tout arrêter. Puis je continue quand même maintenant à faire tapage parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de. Enfin, j'aime bien, il y a une bonne ambiance, enfin, il n'y a aucun jugement et puis ça se passe bien. Ça se passe très très bien et nous en service civique, en fait, on travaille au même titre qu'eux sur ces actions. Et au-delà du travail, en fait, c'est aussi pouvoir partager un moment avec eux et créer du lien social avec eux, en fait.